Salut, c'est Dasha, bienvenue dans la box énergie antillais. Ben, c'est un petit surnom qui m'a été donné par mes cousins. Après Dasha, j'ai choisi comme ça parce que bon, j'ai trouvé que ça m'allait bien. Et puis j'étais un peu garçon manqué, donc la transition, je me suis dit, ça fait un peu féminin, j'aime bien. J'étais pas destinée à devenir artiste et faire que ça. De base, je voulais devenir chef de cuisine, tu vois. Et puis j'étais amoureuse du basket, qui était vraiment une vraie passion, où je me donnais corps et âme. Et puis après, il y a eu des blessures. Ensuite, il y a eu le manque de physique sur le terrain. Donc je me suis dit, bon, écoute, la musique, ça fonctionne bien. Je chante depuis l'âge de 8 ans. Et officiellement depuis 2012, où le public m'a connue avec Essie. Mais c'est vrai que j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Creole Music Movement, donc CMM, un petit groupe de Guayave, de Guadeloupe, de 17 membres, j'étais la seule fille. Et ça se passait super bien. Et puis ça m'a permis de connaître le milieu underground et puis de profiler un peu ma musique. Chez mes grands-mères, Sainte-Anne et Mornalo, parce qu'on mange bien et comme j'adore manger. Donc bisous, bisous à mes mamies chéries. Je vais dire le Trois-Îlets, parce que j'aime bien la plage et je trouve que c'est un site touristique qui est pas mal fréquenté et puis c'est le premier lieu où j'ai été en Martinique quand je suis venue. Ben, ma prière, je suis très croyante et il faut prier, je prie à tout moment de la journée, j'ai pas d'heure précise, mais c'est vrai qu'au coucher c'est mon dernier rituel. Il y a la famille, il y a la musique et puis il y a l'équipe. Donc voilà, la Martinique pour ça. Il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas de Dasha. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ces morceaux, ces titres, ben, je vous invite à aller acheter l'album ou aller sur les différentes plateformes de téléchargement légal pour écouter tout ça. Et en projet, il y a plein de belles choses hein, qui arrivent, plein de beaux duos. Donc pendant les vacances, on va se concentrer sur les duos. Et puis à la rentrée, on va repartir sur single par single. Et pourquoi pas proposer soit un EP, soit un album. Le best-of sera proposé pour mes 10 ans de carrière, pourquoi pas. Avec le premier concert de Dasha en vidéo, voilà. Oh, Joker, moi j'aime les deux. On fait comment? On va dire Orlan. Ah, Bokit, obligé. Bokit complet en plus. Chocolat. Les deux. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ah, chaussures. Je suis pas trop sac à main, j'aime pas trop les trucs qui m'embarrassent, mais par contre les chaussures, ah, c'est obligé. Toute la journée Insta. On avait rendez-vous sur Énergie Antille. Merci la box. Bisous. On avait rendez-vous.